une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon retour de course du vendredi. Et bah c'est parti, on y va, hein, sans plus attendre. On commence comme d'habitude avec les surgelés. Donc bah vous allez vous lasser toujours au début de la vidéo parce que j'achète toujours les mêmes pizzas. Donc je vous montre rapidement, à la Buitoni Fresh Up, j'ai repris une reine blanche. Et pour mon homme, toujours la four à pierre, chorizo, toujours. Parce qu'on ne s'en lasse pas. Ensuite, j'ai acheté... En surgelé, il n'y a pas grand chose. J'ai acheté des pommes de terre salardaises. C'est une tuerie, ce genre de truc. C'est des pommes de terre persillées et aillées cuites dans de la graisse de canard. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais alors, c'est bon. Ça, on aime bien manger ça avec une omelette ou avec des saucisses, ou etc. etc. Enfin, voilà. Donc, hop. Et en surgelé, c'est tout. Ensuite, pour les produits frais, j'ai acheté... C'est pas très diététique cette semaine, je vais pas faire beaucoup de cuisine. Parce qu'on a des petits soucis au coucher avec Juliette, donc du coup pour préparer à manger c'est un peu compliqué. Donc du coup j'ai acheté des nuggets de poulet de la marque Volaille, on a l'habitude d'en prendre, ils sont très bons. J'ai quand même pris de la viande, j'ai acheté deux steaks hachés, pareil de la marque Jean Rosé Intermarché. J'ai acheté des blancs de poulet de la marque Volaille, toujours pareil Intermarché, ils sont plutôt bons hein. Donc voilà, les poulets, je vais m'en servir pour faire une poêlée de poulet au curry et lait de coco avec du riz. J'adore ça et je vais faire goûter à mon homme, voir s'il aime. Ensuite, les habituels hot dogs de monsieur. Je ne les présente plus, hein, à force vous commencez à les connaître. J'ai acheté du pavé au poivre pour mon homme parce qu'il veut se faire un sandwich pour le travail. Du filet de poulet doré pour mettre dans des croque-monsieur. Je vais faire avec mon super pain jaqué. Il y avait pas mal de promotions à Intermarché, donc il y a beaucoup de choses que j'ai eu en promotion, comme le coulommier président. C'était 30% sur la carte, je crois, donc du coup, bah, ça valait le coup. Ça, et pareil, du tartare à ailes fines herbes. Voilà, et pareil, il était en promotion aussi, c'était 30% sur la carte de fidélité. Donc c'est pareil, ça se prend pire dans le tartare. Nom de Dieu que c'est bon. Et il y avait une promotion aussi sur les petits fromages que j'achète à Juliette. C'est les petits crémeux, donc bah, c'est du Kiri, hein, version Intermarché. Et c'était pareil, je crois 30% sur la carte ou 30% de remise immédiate, enfin, je sais plus. Donc du coup, ça c'est ce que je mets dans ces purées. Quand je mets pas de viande, je mets du fromage à la place pour qu'elle ait quand même un peu de protéines. Ensuite, on continue avec un plat cuisiné pour mon homme, des pennes au poulet sauce pesto de chez Marie. Les fraises françaises commencent à arriver, donc du coup j'ai un petit lutin qui adore les fraises. Donc j'ai acheté des gariguettes du Lot-et-Garonne. Elles sont super bonnes, on va voir si elles sont assez sucrées. Je suis pas très sûre parce qu'on a pas eu quand même beaucoup de soleil. J'ai pris de la mâche. Elle est toujours à 99 centimes et elle est très bonne. Donc c'est des producteurs français aussi. Voilà, donc bah, elle est bien aussi. Celle-là, quand vous l'achetez, faut pas hésiter à la relaver parce que d'habitude les salades emballées, vous n'avez pas de problème. Celle-là, on retrouve encore des petits grains de terre dedans. Mais bon, elle est quand même très bonne. Ensuite, il y avait une promotion Intermarché sur les pasta box Sodebo. C'était une achetée, une offerte. On pouvait varier les goûts. Donc j'en ai pris une poulet à la crème avec emmental. Et une jambon champignon à la crème avec emmental aussi. Je les ai jamais testées, donc je vais voir. Sachant qu'il y en a une que j'ai pas payée, donc ça se prend. Les offres comme ça, moi je saute dessus. Mon homme avait une envie de clafoutis aux cerises de la marque La Laitière, qui sont divins quand c'est un tout petit peu réchauffé au four. Il y avait, bah alors on change pas les habitudes, hein, les petits gervais de Juliette. Il y avait une promotion sur les velours de crème de La Laitière. Donc c'était un acheté, le deuxième à moins 60 ou moins 80%, je sais plus. Donc du coup j'ai pris chocolat au lait sur lit caramel x2 parce que c'est une tuerie. Les onctueux nature pour Juliette, elle aime bien ça en dessert le midi. Et il y avait une promotion sur les danettes liégeois à la vanille, il n'y avait que ça. C'était 1€ les 4. Sachant que les danettes liégeois en moyenne c'est bien 1,60€ facile, donc bah, j'en ai pris deux. Alors vous allez me dire pourquoi t'en as pas pris plus, parce qu'il y a des dates de péremption et que bon,
faut quand même éviter de les jeter, hein. Le but c'est pas de les acheter et de les mettre à la poubelle, c'est de les acheter et de les manger. Voilà pour ce qui est du frais, je vais ranger tout ça dans mon frigo et je vous retrouve pour la suite. Allez, on continue avec la suite. Donc j'ai acheté les chips de légumes. J'en dis pas plus, hein. Je crois que c'est toutes les semaines que je m'achète un paquet, moi. Des demi-baguettes pré-cuites, là, les pains que vous faites cuire au four. Ça, c'est pour le sandwich de mon homme et puis ça peut nous servir pour un soir. J'ai racheté des champignons pour faire tout et principalement de la purée pour Juliette parce qu'elle adore les champignons. Il y avait des compotes goût de goût, pas en promotion, mais il y avait pommes gala, donc j'en ai acheté 3. Voilà. Et surtout qu'ils avaient été rapprovisionnés en poire Williams, et je sais que Juliette adore ça. Donc du coup, j'en ai racheté 3. J'en achète pas énormément, parce qu'on voyait le prix de la gourde. Je crois que c'est 1,25€ la gourde à mon Intermarché, donc ça fait cher. J'ai racheté l'indispensable du moment, du café. Alors on prend toujours celui-là, le café grand-mère. Il est à, je crois que c'est 5€ les 60 dosettes. Donc ça fait pas cher et il est très bon, il est beaucoup moins fort que l'autre qu'on avait acheté la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en parle dans mes produits finis du café qu'on a acheté et, ou un petit peu trop fort à mon goût quand même. Ensuite, monsieur avait besoin de gâteaux. Il y avait une promotion sur les petits écoliers. C'était un paquet gratuit dans les 4. Petits écoliers, c'est bon aussi. Des lentilles, des saucisses aux lentilles qu'on va manger dimanche parce que Juliette adore les saucisses aux lentilles. Donc on lui fait ce petit plaisir de temps en temps. Arrête avec le sac, ça c'est mon courrier. Je pense que ça vous intéresse. Ensuite, les petits pots du soir de Juliette comme d'habitude. Alors cette fois-ci, j'ai pris crème de légumes et tendre pâte. Crème de légumes vert petite pâte, pour pas dire tendre pâte, hein. J'ai pris de la soupe de légumes variés et riz. Alors ça c'est très drôle quand elle en mange parce qu'elle en met partout mais elle aime ça. Donc je lui fais plaisir quand même. Et pommes de terre poireaux, son habituel indispensable qu'elle adore par-dessus tout. Voilà. Et pour le midi je lui ai racheté Nestlé Petite Recette. J'ai pris pot au feu parce qu'on n'en avait plus beaucoup. J'ai repris du saucisson, du fouettec comme d'habitude, hein. On va se faire un petit apéro encore. Et la bouteille d'eau de Juliette, comme d'habitude. Ensuite, qui dit apéro dit cochonnerie à manger. On en a acheté la semaine dernière. Je vous en reparle dans mes produits finis. Mais si j'en rachète, je pense que c'est qu'on a aimé. Ensuite, encore une promotion Intermarché. Donc les banzai noodles qu'on aime bien là. C'était un acheté, un offert. Donc on va encore manger ça ce week-end. Mais c'est pas grave, c'est bon. Ensuite ça, le jeu du Monopoly Intermarché, je vous en ai parlé la dernière fois, donc j'avais gagné ça, c'est des petites lingettes pour nettoyer, sachant que j'en achète cette marque là et cette gamme là, donc bah, j'étais contente. Du coton pour nettoyer mon petit visage doux et harmonieux, non bon, du coton pour le visage quoi. Comme vu l'heure à laquelle on est rentré ce midi, je n'aurais pas le temps de faire à manger à Juliette, donc j'ai voulu tester la marque Hip Bio. Enfin, hip biologique. Je ne l'ai jamais essayé, donc je lui ai pris moulinet potimarron, légumes, bœuf. J'espère qu'elle va manger. On verra bien. Juliette et la nouveauté, c'est pas son truc en ce moment. Ensuite, des mouchoirs. Indispensable. Mes céréales. Alors, ça, j'ai acheté, c'est pas pour moi. Donc c'est pour ma maman parce qu'elle, dans son Intermarché, les plus petits que le nôtre, elle n'en trouve pas. Donc elle m'a demandé de voir si je pouvais en trouver, donc j'en ai acheté, je lui en ai pris 2 paquets. Pour l'apéro, des tuiles, crème et oignon, on adore ça, c'est une tuerie, c'est énorme, c'est bon, c'est délicieux. Bref, voilà. Le riz Uncle Ben's là que j'aime bien, donc là j'ai pris riz paella, il est plutôt bon. Bon, ça manque de crevettes et de moules et tout ça, mais c'est pas grave, ça reste bon quand même. J'ai acheté du lait de coco pour faire ma préparation poulet curry. Et ensuite, c'est les légumes. J'ai acheté un navet pour faire de la purée à Juliette. Une carotte pour faire la purée carotte navet. Des pommes de terre. Voilà. Et pour notre apéro, on avait bien aimé la dernière fois, donc du coup on va refaire pareil. J'ai racheté des radis. Et ben voilà,
On a fait tout le tour, on a tout déballé. Donc maintenant il faut que je range. Comme tous les vendredis, je vous dis la même chose à la fin de la vidéo. J'ai pas envie. J'ai pas le choix, hein, ça va pas se ranger tout seul dans le frigo. Hein. Puis c'est pas Juliette qui va ranger. Donc du coup, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.